projet t'avait promis une vie de voyage, des horizons, des pays, des routes plus sauvages. Mais il avait son boulot, c'est dur quand on commence. On va se faire un petit magot, après on partira. Puis il est allé soldat, t'as laissé la cagnotte. L'Allemagne c'est loin déjà, fallait payer la note. À cette heure on n'a plus d'argent, à l'usine c'est le chômage. Je vais empiler pour 5 ans, après on partira. Et toi t'attends dans ta cuisine, tu fais ton seuil le vendredi, dans la cité près de l'usine. T'imagines un pays. Après t'as eu ton bébé, un gros garçon je pense. Oui, la petite sœur qui lui manquait, ça en fait des dépenses. Roger bossait 3 jours sur 2, toi tu lavais les langes. Quand ils seront un peu plus vieux, je te jure qu'on partira. Et c'est vrai que t'as voyagé avec ta mère, t'allais un dimanche matin en autobus à Banneux. T'es allé à la mer aussi avec les enfants, il y avait du soleil, les photos, les vacances. C'était beau, mais Roger n'était pas là, il y avait le chien à garder, et puis le football. Tes enfants ont bien grandi, ils ont l'âge de tes noces. Ton fils vit chez les hippies, ta fille rentre, elle bosse. Tu parles encore de voyager, mais Roger se tracasse. Si on nous ramenait drogué, pas maintenant on peut pas. Alors t'attends dans ta cuisine, tu fais ton seuil le vendredi, quand tu regardes la nouvelle usine, tu te vois bien. Ton Roger est pensionné, il dort et boit ses gouttes. On va raser la cité à cause de l'autoroute. Et c'est maintenant qu'il faudrait bouger pour une cage à vieillesse. Alors il te vient l'idée d'aller plus loin que ça. T'aurais même plus de cuisine, on ferait ton seuil le vendredi, bientôt tu quitteras la routine pour un drôle de pays. Ton projet t'avait promis une vie de voyage, des horizons, des pays, des routes plus sauvages. Mais il avait son boulot, c'est dur quand on commence. On passerait un petit magot, après